Salut à tous. Pour rentrer un piston d'étrier de frein de disque, c'est un piston qui ne veut pas rentrer, qui est bloqué. Bon, comme on voit ici, moi j'ai enlevé les plaquettes. Du coup, j'ai démonté l'étrier et je l'ai remonté. Comme on voit là, il bouge, il n'y a plus de plaquettes. Pourquoi je l'ai remonté? Parce qu'avec la pince, j'ai beau forcer pour pouvoir le faire rentrer, mais impossible qu'il rentre. Alors, ce que je fais, soit vous le montez comme ça. Vous y allez avec un burin ou quelque chose, vous le mettez à l'intérieur pour pouvoir essayer de le faire rentrer doucement, ou alors avec un pied de biche. Comme on voit ici, là, on va voir avec le pied de biche qui va rentrer très facilement. On force doucement si on garde les disques pour ne pas abîmer ces disques. Et comme on voit ici, il rentre sans forcer. Voilà, je vais essayer juste de tourner. Voilà, et du coup je vais continuer à le rentrer. D'un côté, voilà. Voilà. Comme on voit là, eh bien, il est bien rentré. On voit, on peut mettre les plaquettes de frein. On peut en mettre une de chaque côté, ça passe tranquillement. Voilà. Par contre, si même avec le pied de biche, quand vous allez le mettre et vous essayez, que vous voyez que ça force, ne forcez pas trop parce que certains pistons, en fait, ils se vissent pour pouvoir les rentrer. Il y a d'autres pistons qui se vissent, en fait, c'est le côté du sens d'une montre, pour rentrer. Il y en a d'autres qui se dévissent, en fait, pour qu'ils puissent rentrer. Voilà, si jamais vous forcez avec le burin, enfin le burin ou le pied de biche, que vous voyez que vous n'y arrivez pas, essayez de la lever et de serrer avec une pince ou de desserrer le piston, en faisant attention de ne pas abîmer le jouet. Voilà, ben, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.